Hop. J'ai vu le mec là-bas, hein, vous inquiétez pas. Ouah, ouah. RT. RT. Non, je suis triste, il a gagné. Et yop tout le monde, c'est Bardo, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Skywars on Insane Modes. Toi-même tu sais, avec l'accent magnifique. Donc j'en ai jamais fait des Skywars, mais pour ceux qui me suivent pendant les lives, j'avais déjà parlé que j'allais me lancer à faire des vidéos dessus, parce que c'est vraiment un mode de jeu super attractif et vraiment intéressant. Donc là, franchement, qu'on se le dise, pour l'instant on a pas mal de bon stuff, hein, franchement. Quand on a un arc en Skywars dès le départ, franchement, c'est plutôt bénéfique. Donc je vous explique un peu le concept. En gros, il y a des îles un peu partout, il y a des coffres. Puis voilà, en insane mode, il y a du meilleur stuff dans les coffres que dans les autres Skywars. Enfin non, à peu près. Non, après il y a aussi des Skywars genre géants où on est 100, etc. Enfin, ça après c'est pas la même chose. Et voilà, quand on a un arc, on peut, si on apprend à viser, on peut faire ça. Voilà, hop, ciao. J'ai un peu galéré parce que bon, qu'on se le dise, le mec là-bas a réussi à passer. Ok, GG. Hop, hop, lui on va l'attendre. Il va aller dans la petite lave des familles. Allez, il est pas rentré. On va éviter de tomber. Voilà, pas comme lui. Allez, salut, merci à toi d'être passé. Et donc voilà, c'est vraiment un mode de jeu super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors lui, il a l'air d'avoir un bon knockback en mode recul lol XD, XD, MDR, quoi. En gros, c'est plutôt hardcore game. Voilà. Il tombe pas ou il a pas de knockback? Voilà. Donc lui, il est dead. On va essayer de faire un bon truc. Pourquoi pas faire un bon petit carnage. Lui, il a une canne à pêche, pro PvP player. Bon, franchement, là, on se le gère. Bon, on se l'est perfect. Ah non, il nous a mis un petit coup des familles. Il a des bottes. J'en ai pas besoin, mais il a une popo. Comprends. C'est toujours utile. Speed 2. C'est toujours ça de prix. En plus, on a un power 3. C'est plutôt magnifique. Il reste 3 joueurs à tuer. Il manque un casque, hein. On est d'accord, il nous manque un petit casque histoire d'être nickel. Donc ouais, j'ai pas fini l'explication. En gros, il y a des îles un peu partout. Ça change de map à chaque fois. Et voilà, il y a du stuff dans les coffres. Et puis voilà, après, le principe, c'est de se battre et faire gaffe de pas tomber quand même. Parce qu'il y a des trucs genre knockback 10. Enfin, genre des petits trucs avec des enchantements knockback 10. Donc voilà, ça fait plutôt mal aux fesses qu'on se le dise. Voilà. On va aller voir le mec là-bas en évitant de tomber. Ok, on lui a mis une flèche. Scul. Allez, allez. Salut, salut. Allez, à la prochaine. Ça, c'est fait. Et lui, c'est le dernier, il me le semble. Allez, viens me voir ici. Il ne doit plus te rester grand-chose en cœur. Voilà, nickel. Bon, voilà. Petite game assez rapide, qu'on se le dise. On a fait 6 kills. C'est vraiment plutôt sympa. On va mettre un 5 parce que voilà, on est content. Ouais, donc 6 kills, vraiment sympa. Donc ce que je vous propose, c'est de pas vous laisser là-dessus. Et on va se retrouver pour une nouvelle game. Allez, c'est parti. Donc on est reparti, les potes. Donc j'ai oublié de préciser dans l'autre partie qu'on était sur les serveurs ePixel. C'est bon à préciser quand même. Pas que des gens me demandent où est le serveur. De toute façon, ce sera dans la description. Hein, si vraiment il y en a qui sont sourds, voilà, enfin, qu'ils n'ont pas entendu ce que je viens de dire. Donc là, on n'a pas vraiment du gros stuff lourd PVP sa mère, mais on va essayer de faire quand même un bon petit machin. Parce que voilà, même quand on n'a pas énormément de stuff, c'est pas grave, on se dépêche d'aller au middle comme ça, voilà. Ouais, donc je vous ai pas aussi précisé, mais selon les maps, au middle, après, il y a des coffres où il y a pas mal de lourd, sauf là, j'ai pas eu de chance. On va dire que j'ai pas eu de chance. Salut. Il s'est mis une régène, il me semble. Je vais pas tenter le coup de me battre face à une régène. Ah mais non, c'est pas une régène, je crois que c'est une speed. Parce que régène, ça fait pas cette couleur. Donc c'est bon, s'il est que en speed, on peut l'attaquer sans problème. Il a toujours pas d'arc. On va aller regarder là-bas, il y avait des bottes en diams assez bien enchantes. Protection de Fire Aspect, non, Fire Protection 5. Donc ça fait plaisir.
Ouais, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le knockback 10, la slime ball, ça fait plutôt plaisir, même si on n'a pas d'arc. Et ça, c'est un peu dérangeant. Parce que voilà, quand on tombe sur des mecs qui ont des arcs, eh ben, on le sent tout de suite, on sent la différence. Parce que voilà, qui dit arc dit vraiment overcheat. Là, j'ai vu le mec qui voulait me pointer à l'arc. Salut. Moi, je vais pas faire le thug. On va essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui vont au middle. S'il y a quelqu'un qui va au middle, on va aller le frapper à la knockback 10, les gars. Et ouais, parce qu'on est des gros thugs. Waouh. Il est vachement stuff. Et là, merde, c'est pas là le knockback 10. Allez, salut. Voilà, il est parti un petit peu loin. On est d'accord. Ok, on se casse. Ah ok, le mec est vraiment bien caché hein. Allez salut, je veux ton arc. Son arc. Moi tant que j'ai son arc je suis heureux. C'est bien lui qui avait un arc hein. Ah bah il est là, je suis con. Aveugle. Bon. Ensuite. Allez toi, viens par ici, on va te mettre une petite briquette barbecue. Non, non, rip, rip, oh oui. Oh la chance. Oh la chance. La chance les gars. Moi je vous le dis. On a une de ces chances. Ouh, il n'y a pas une régène. Que dalle. Que dalle, que dalle. Bon bah on va attendre de régène vite fait. Si on avait une table d'enchant, on aurait pu s'enchanter l'arc. Ok, chest have been refilled. Donc ça en gros ça veut dire que les chests ont été remis à neuf. En gros c'est cool. Et lui on va le pousser dehors. Voilà, allez salut, maintenant on a les coffres pour nous. Avec de la TNT, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. On prend la petite pomme en or des familles pour régénérer un petit peu. On va s'enchanter l'arc au cas où on n'est pas Dark Power 5 dans les coffres. Ce qui est le cas d'ailleurs. Voilà, nickel. On a un plastron, c'est tout ce qui nous manquait pour être full diams. Bon, il reste une personne et c'est celui-là là-bas. On n'a pas de petite underpearl. Ce serait plutôt mignon. Il n'y a pas l'air. Il est tombé. Oh putain, j'ai eu peur. T'es. Ok, TNT, on s'en bat les steaks. Oh. En fait, non. J'ai une grave bonne idée. Salut. RT. Allez. On va le faire exploser. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Alors. On va faire quoi maintenant? Et ouais frérot. Oh putain. On va le faire péter à la TNT les potes. Non. Oh merde. Allez, salut. Oh merde. OMG. Oh non, le fail. Non, j'avais gagné la game quoi. RT. Bon c'est pas grave, je vous mettrai en fail quand même, ça fait plaisir. Bon bah écoutez les gens, je pense qu'on va se laisser là dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de Skywars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous écouterai hein, si vous voulez qu'on fasse des méga Skywars où on est à 100 joueurs etc, où ça devient un peu l'anarchie complet. Et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le like pour me dire que ça vous a plu. Pourquoi pas atteindre les 1000 likes pour une première vidéo en Skywars, ce serait vraiment super cool. Donc voilà, je vous fais confiance les potes. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire et à partager la vidéo sur Twitter. Et je vous fais plein de gros bisous les gars. Et ciao, bye bye.